وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Il y a des gens aussi qui peuvent essayer de faire quoi? De ruser avec Allah. Mais Allah Ta'ala est plus fort en ruse. Si quelqu'un veut approcher sa femme pendant Ramadan, mais il sait que s'il l'approche, il devra jeûner deux mois d'affilée après. Alors il se dit d'abord je vais manger. Comme ça après je vais l'approcher. Comme ça j'aurai juste un jour à rattraper. Je n'ai pas deux mois d'affilée à faire. Là il aura deux mois d'affilée à faire d'expiation. Parce que celui-là il a mangé pour faire l'acte. C'est pas pour manger. C'est pour faire l'acte qu'il a mangé. Donc celui-là, il aura quand même les deux mois d'expiation à faire. En plus du jour à rattraper.